tout le monde ne réagit pas de la même façon au vaccin contre le Covid-19. Si tout s'est bien passé pour Christina Milian lorsqu'elle a reçu sa première dose du précieux sérum, la seconde lui a causé de nombreux effets secondaires qui n'ont pas été faciles à supporter pour la jeune maman. La chérie de Matt Pokora a en effet documenté tout son processus de vaccination sur Instagram ce lundi 31 mai. De quoi permettre de constater que son état s'est dégradé au fil de la journée, j'ai entendu beaucoup de choses. Certaines personnes disent qu'elles ont été un petit peu malades, d'autres disent que tout allait bien. J'espère faire partie de la seconde catégorie. Avait-elle confié juste avant de recevoir sa piqûre. Rapide et sans douleur. Je me sens bien, ça ne fait que quelques heures. Je pense que je dois attendre jusqu'à ce soir. On verra bien, s'était-elle réjouie juste après avoir reçu la fameuse piqûre. Et il se trouve qu'elle ne s'est pas trompée, si est-ce justement le soir que les choses se sont quelque peu compliquées pour la mère de Violet, Isaiah et Kenna. En pleine nuit, la chanteuse et comédienne a publié dans sa story une vidéo d'archives de Michael Jackson grimée en zombie, certainement une façon pour elle d'indiquer qu'elle avait passé une très mauvaise nuit et qu'elle avait eu bien du mal à s'endormir. Un coup de mou visiblement passager puisque le lendemain CIST toute pimpante et dynamique que Christina Milian était de retour sur ses réseaux sociaux. Christina Milian à peine remise de son accouchement au début du mois de mai, CIST d'un effet secondaire lié à sa grossesse que souffrait Christina Milian. Quelques jours après avoir donné naissance à son troisième enfant, la star de 39 ans a fait de la rétention d'eau, comme de nombreuses femmes qui viennent d'accoucher. Elle avait dévoilé une photo de son corps post-partum, sur lequel sa peau apparaissait comme spongieuse. En appuyant sur son mollet, un creux impressionnant se formait et mettait alors bien du temps à disparaître. Une situation qui n'avait en tout cas pas manqué d'amuser la jolie brune et sa fille Violet.